Salut tout le monde, dans cette vidéo les gars, vous allez voir le pass de combat et mon premier top 1. J'ai fait ma première game, vraiment j'ai lancé première game, top 1, et j'ai débloqué le parapluie secret, vous allez voir juste à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter en code créateur, donc c'est unwin-54, voilà vous le voyez juste ici. Et pour jouer avec nous c'est pareil, c'est en description, vous avez mon Discord, les gars c'est parti, go. Salut à tous, c'est Lune et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je tiens à vous dire que déjà le pass de combat je vais vous le montrer vraiment en rapidement parce que c'est pas l'essentiel et... L'essentiel, comme on dit, est dans l'actel. Non, sérieusement. Du coup, c'était la saison 8. Et en fait, vous allez voir que dans la game qui va suivre après. Parce que, les gars, première game, j'ai fait top 1. Vous allez voir. C'est juste après. Je vous montre ça juste après. Là, déjà, je vous montre un peu le pass de combat pour ceux qui n'ont pas vu, en fait. Même si je sais qu'il y en a qui ont vu. Voilà, il y a plein de tubeurs qui ont fait des vidéos. Mais du coup, je voulais quand même vous montrer un peu. Et vous dire un peu ce que c'était. Enfin, ce que c'est mon favori. Donc, déjà, on a ces deux premiers skins. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, il y aura la game où je fais top 1. Première game, je vous jure que les gars, c'est la première game. Vous allez voir que j'ai même pas de skin en fait. J'ai juste lancé pour découvrir la map parce que j'attendais la salle. Et du coup j'attendais la salle. Et puis voilà, je me suis dit, bah en attendant, je vais faire une game pour voir. Alors, donc voilà, donc on a le revêtement camouflage. Ici, on a un écran de chargement. On a ce petit aérosol. Voilà, sans plus quoi, basiquement. Ensuite, là, on a un accessoire de dos, un cobra. Et on a ce drapeau volant. Voilà, d'ailleurs, quand vous faites top 1, vous débloquez un drapeau volant. Je vous montrerai à la fin comment il est. Ensuite, on a, bon, ça c'est les trucs vraiment. Voilà quoi. Une petite musique. Hop. Ensuite, ah, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Ensuite, on a le serpent céleste. Donc, c'est un planeur. Il est stylé, mais bon, voilà, je le mettrai pas quoi. On a un petit coucou. Voilà, après on a les emojis basiques. On a ce petit chien qui s'appelle Tilol. Tilol, lol. Ensuite, on a... Je vais voir si on peut voir... Non, bon, bah, je vous montre après. On a cette petite traînée qui est pas mal, mais bon, c'est pas ma préférée. On a ce petit sac. Alors, pardon, sachez que ce petit sac, les gars, en gros, quand vous ouvrez des coffres tout au long de la game, et bah, il s'améliore. En fait, il change d'apparence. Et ça, c'est pas mal. Franchement, de la part d'Epic Games, c'est pas mal. On a cette petite fille qui est pas mal, Vipère. J'aime bien. Après, on a une balle rebondissante. On a ça. On a ça. On a une petite danse qui est stylée. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà. Petite danse. Ukulélé, tranquille. Ensuite, voilà les V-Bucks. On a le petit chien pirate. En mode pirate. La traînée qui est pas mal aussi. La pioche pour ceux qui ont passe de combat gratuit. On a. D'ailleurs, si vous avez fait les défis normalement avec mon code créateur, les gars, unwin-54, normalement, vous devrez avoir le passe de combat gratuit. Si vous avez fait les 13 défis. Alors, ensuite, on a. Ouais, écran de chargement. Un revêtement. Encore un truc. On a le skin banane qui est magnifique. Je le kiffe celui-là. La meuf, ah bah oui, bah vous voyez pas, mais bon, moi je l'ai débloqué. C'est celle que j'ai mis parce que c'est vraiment le meilleur skin. On a la pioche là, que j'ai mis aussi également. Et on a le chat, je vous ai pas mis. On a la roularde. Voilà, encore une traînée de la lave que j'ai mis aussi également. Celle que j'ai mis. Ensuite, on a Bananana, c'est une danse. Bof, c'est pas trop fan. On a. Je sais pas ce que c'est un petit chien aussi. Et cette magnifique tenue, elle est incroyable, les gars. Magnifique. Je kiffe ce skin. C'est mon préféré. On a le revêtement, encore une fois. Le planeur. Pardon, je vous ai pas montré. Le planeur. Voilà, le planeur, pardon. Voilà, le planeur naufragé. Avec la petite pieuvre. Il est stylé, j'aime bien. En fait, c'est un bateau, moitié de bateau cassé. Encore le chien en mode doré. On a une traînée avec des cartouches. Le gardien des clés. Voilà, on a également cette petite dame, demoiselle, avec son petit chien derrière. Le cerceau. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas trop trop fan. On a le revêtement, bah celui-là qui est juste magnifique. Honnêtement, je l'ai mis sur mes armes et il est magnifique. Et on a le gardien masqué
Et enfin, le dernier skin qui est pas. Voilà quoi. Hein. Vraiment sans plus quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer quand même. Regardez. Alors vous allez dans. Alors vous allez. Alors le skin que j'ai débloqué, les gars. Donc ouais, on a aussi celui-là. Qui est bien aussi. Quand l'améliore, ça donne ça. Un alligator. Après, il peut être en bleu et il peut être en violet. Enfin, en violet, en ultraviolet. Voilà. Ensuite, on a elle. Hop, voilà. Elle, pareil, quand on la débloque, ça donne ça. Elle est en or, en 24 carats. Le petit skin banane. Mûri et change de couleur au fil de la partie. Ok. Voilà. Et il me semble que c'est tout. Il manque juste la L. Voilà, L. L. Et à lui aussi. Mais bon, moi, ma préférée, c'est elle. Après, voilà. On a pas mal d'autres choses, quoi. Le coffre que j'ai mis. La pioche. Les danses. J'aime bien celle-là. Et comme je vous dis, les revêtements, voilà ce que ça donne. Ils sont trop beaux. Voilà, voilà. Et eh bien écoutez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la game. C'est parti, on est ready to go pour la game, les gars. Et vous allez voir que dans cette game, je rappelle que c'est ma première game de tout. En fait, ma première game de la saison 8, tout simplement. Et qui dans les commentaires là? Dans les commentaires, j'aimerais savoir qui, première game, qui a lancé. Donc là, vous avez lancé la game. Bam, première game, vous avez fait top 1. Sachant que je suis allé dans les zones. Vous allez voir que je suis allé vraiment dans la zone, les nouvelles zones. Sachant que dans les nouvelles zones, il y a du monde. Bah, vous allez voir que. Voilà. Déjà, j'atterris. Franchement, j'ai eu de la chance. Donc là, déjà, vous avez vu, j'ai pas changé de skin. Vous dites, ouais, pourquoi t'as pas mis une nouvelle skin? Parce qu'en fait, j'attendais en fait la salle pour qu'on découvre ensemble les skins. Et sachant qu'il faisait un truc, donc du coup, je l'attendais. Et franchement, la saison 8, elle est magnifique. Elle a rien à dire. Et je suis assez content qu'ils aient changé Wallingwood. Parce que c'est vrai que. Bah, on va dire personne y allait quoi. Tout le monde allait à Tilted ou dans les autres villes, quoi, Retail, etc. Mais c'est vrai que. Ah, Hollywood, voilà d'ailleurs. Hop, là il y a deux gars. Regardez-le, je le mets mal. Et l'autre, il me vole mon kill tranquillement. Au calme quoi, il s'est cru chez qui lui. Après là, voilà. Vous dites, ok, Unwin, je t'ai fait voler ton kill, c'est pas grave. J'étais énervé, là je l'ai énervé, je l'ai tué. Enfin voilà. Donc du coup voilà, je vais découvrir un peu la map, etc. Je vois qu'il y a des sortes de temples, plein de temples un peu partout. On dirait un peu en mode Koh-Lanta, enfin c'est bizarre quoi. Et franchement, je suis assez. Franchement, je vais pas vous mentir. Franchement. Non, j'ai dit beaucoup franchement. Non, sérieusement. Je suis assez content du décor. Franchement, elle annonce du lourd. C'est magnifique, ça a de la gueule, ça a de la gueule, on est d'accord, quand t'arrives comme ça, tu vois le volcan en feu, etc. C'est juste magnifique. Et voilà, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo du matin, je vous invite à aller la voir, où en gros je m'exprime, etc. Et on parle un peu bah, du coup de la saison 8, on parle également de mon amélioration, etc. Et là, je me jette dans le balcon, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, ça nous fait voler. Je me dis, ok. Je vous jure que je me suis jeté, limite, tu sais, j'aurais pu mourir quoi. Parce que je me suis jeté sans vraiment savoir ce qu'il y a. Et là, j'étais en train de rechercher mon arme et je vois un gars tranquille qui se baladait. Et voilà, j'ai des gomme-gomme, le space 12 qui pardonne pas. Et d'ailleurs, son petit snipe qui va me faire plaisir, les gars. Bon, voilà. Ensuite, la zone n'était pas du tout bah, là en fait où il y a le. Enfin, là où il y a la nouvelle map, on va dire. Voilà, donc la petite tête qui passe tranquille. Sa petite tête, elle dépassait un tout petit peu, quoi. C'était limite son chapeau, son bonnet. Et donc, du coup, je disais, la zone, elle n'a pas terminé bah, là où il y a la nouvelle map, en fait, à la saison 8, quoi. Du coup, elle a terminé hors map, quoi, hors saison 8. Enfin, pas là où il y a les nouveaux trucs, quoi, on va dire. Et bah, écoutez, c'est pas grave. Déjà, je suis à 3 kills. Je commence pas trop. Bon, ça va, ça va. Généralement, des fois, tu sais, tu as un kill ou deux kills. Là, ça va, je suis à 3 kills, sachant que je vais en faire un quatrième. Oh, pourquoi j'ai pas mis une tête. Et il y a deux gars qui se tirent. Et là j'entends un gars qui tirait derrière. Je me dis ok, le gars il est au snipe. Je vais attendre qu'il se pose tranquillement. Et BAM. J'ai le Bikin Bobbins in the West. Forever, never, never. Voilà, tranquillement. Donc là je le tue et puis bon. Je vous ai coupé quand j'étais chercher mon stuff, etc. Parce que c'est pas intéressant. Ensuite voilà.
Là voilà, donc ça paraît amélioration en construction, je me suis pas mal amélioré. Du coup, j'essaie d'éditer pas mal. D'ailleurs, j'ai vu vos conseils ce matin. Là, lui, voilà, je l'ai calmé en 2 secondes 5. Et d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils aiment bien me donner des espaces de zone or en ce moment. Et là, je regarde la zone, et en fait, je vois que la zone est extrêmement loin, les gars, mais vraiment loin. Et je me dis, ok, les gars, c'est pas grave, on met le tremplin. D'ailleurs, il y a une grosse. Je sais pas pourquoi en ce moment, enfin, c'est bizarre. Vous allez voir, regardez, vous allez voir, attendez. C'est là que ça va m'arriver. Et j'ai vu que Fortnite, ils ont mis un tweet par rapport à ça. C'est regardez, quand on court, bah ça court pas. Vous voyez? Mon personnage, il court au ralenti. Et j'ai vu que Fortnite, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes par rapport à ça. Et Fortnite, ils ont mis un tweet comme quoi ils allaient réparer ce bug. Voilà, là ça a marché, mais sinon, avant ça marchait pas. Donc voilà, du coup, je mets mon tremplin tranquillement et je décide d'aller dans la zone. D'ailleurs, j'ai eu du mal, je sais pas pourquoi. Je mets mon tremplin. Et je voyais qu'il y avait des gens à gauche. Je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, j'ai regardé. Je me suis dit, non, franchement, c'est trop risqué. Il y a la zone et la zone, elle était loin. Regardez où est-ce qu'elle était. Voilà, du coup, j'ai décidé d'atterrir ici et après, je me barre, je me balade. Voilà. Ensuite, là, on arrive à peu près à la fin de la game. On n'est plus que 600 vies. Regardez l'erreur que je vais faire. Regardez le con. Ça voulait pas construire. Et regardez la chance, les gars. Un PV. Mais vous allez voir que je débloque le nouveau parapluie. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir comment je joue avec nous, pardon, dans la description, je vous ai mis le Discord pour jouer avec nous. Si vous voulez jouer avec nous, voilà. Et bah, j'avais montré au babouin, j'avais parlé dans le chat, enfin, dans le Discord. J'avais dit, ouais, les gars, première game top 1. C'était vraiment ma première game, les gars. J'ai même pas changé de skin, rien du tout. J'ai même pas découvert le pass de combat. Le pass de combat que vous avez découvert avant, c'était après le top 1. Du coup là il va un gars, je le mets extrêmement mal et vous allez voir que là c'est un peu bizarre cette fin de game parce que en fait je sais pas si les gens voulaient débloquer le parapluie ou quoi mais tout le monde se cachait. Et quand je vous dis tout le monde se cachait, tout le monde se cachait mais moi j'ai pas peur et je rush. Ok je rush, bon voilà je construis un peu autour de moi mais je vois qu'il y a personne. Il est en dessous, je sais pas ce qu'il faisait. Je me dis ok je vais repartir en haut, voilà. Et je décide de mettre mon tremplin. Ok, je vais mettre mon tremplin. C'est vrai que regardez, hop là, je le mets mal. Mais en fait, je vois qu'il y a la zone qui est arrivée. Donc, du coup, je me dis, est-ce que je le tente, c'est risqué, ou est-ce que je mets mon tremplin et je me barre? Parce que j'avais un tremplin. Donc là, vous allez voir que je vais prendre la décision. D'ailleurs, il y en a un autre qui est arrivé ici. Ok, là, je me dis, ok, bah c'est bon, je vais mettre mon tremplin et je me barre. Voilà, donc là, j'atterris ici. Je vois qu'il y avait des gens, mais vraiment partout. D'ailleurs, il y a même un coffre. Enfin, un ravitaillement. Je sais pas comment ils appellent. Ouais, un ravitaillement, c'est ça qu'ils appellent ça comme ça. Enfin, un loot, quoi. Voilà, un loot. Là, en fait, j'ai essayé de faire. Je voulais faire une porte, mais je me suis dit non, en fait, on peut pas faire de porte comme ça. Voilà, là, voilà. Je vous passe un peu le truc. Voilà, je passe vraiment. Voilà, je construis. Parce qu'en fait, il y avait un gars, mais je sais pas où est-ce qu'il était. Et les ennemis d'avant qui étaient avec moi tout à l'heure, je savais pas non plus où est-ce qu'ils étaient. Franchement, là, tout le monde se cachait. Il y a que moi qui rushais. Voilà, j'essaie de voir où est-ce qu'ils sont les ennemis, je vois qu'il y a des gens qui construisent, etc. Je me dis, wow, c'est chaud les gars. Et moi, dans ma tête, mon seul objectif, c'était de débloquer le parapluie. Je voulais débloquer ce parapluie. Je me dis, ok, pas grave, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on joue en mode tranquille. Là, j'essaie de... Je temporise un peu autour de la maison. Et franchement, je suis assez content de la saison 8. Et ils ont fait du très très bon boulot. Même si, bon, voilà... Il y a des skins qui sont. Voilà, le skin banal il est bien, mais bon, j'ai entendu qu'il y avait des bugs par rapport aux danses, etc. Enfin bref, donc du coup là, j'entendais des gens qui se tapaient en haut. Il y a la zone qui est arrivée, je me suis dit que okay, je vais pas prendre de risque, je vais y aller. Et regardez, là ça va être vraiment le rush. Je vois qu'il y a un gars ici, je vais refaire mon snipe et je vais lui mettre une balle de snipe parce que je vois que le gars il bougeait pas du tout. En fait, voilà, je mets une balle et bam, je le finis. Je lui mets une tête. Un autre gars qui me tire, j'arrivais pas à le viser, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu de shoot là-dessus. Et je me dis ok pas grave, j'ai essayé de me prendre une popo, je vois qu'il y a la zone qui arrivait les gars. J'étais en mode panique totale, il restait plus que 3 personnes. Et là les gars ça va être la fin de la game bientôt, regardez, BAM! Lui je lui ai mis moins 138 ce qui permet à la zone de le finir. Et là je sais pas où est-ce qu'il est le dernier. Donc je me dis ouais, on est deux là. Et je vois pas du tout où est-ce qu'il est le gars. Donc du coup là je repère encore de la vie en allant en dessous. Je mets des soins. Tranquille et je vois que le gars il est en train de faire ça, je me dis mon dieu l'erreur qu'il a fait. Regardez où est-ce qu'il va atterrir les gars, vous allez rigoler. Juste à côté de moi et bim, victoire royale. Et voilà, donc je vous fais un screen du planeur que j'ai débloqué juste après. Malheureusement, j'ai pas enregistré jusqu'à là. Voilà, je vous fais un screen qui s'affiche juste ici. Victoire royale, ma première
Game et top 1 direct, 7 kills, magnifique. Merci à tous pour vos soutiens. N'hésitez pas à mettre le code créateur Amin-54 et moi je vous dis au bye, au bye.